Ah, Chapat, qui est avec nous ce soir? Bonsoir, bro, comment tu vas? Yo, 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 je vais bien et toi? Ça va super, la semaine elle a été, j'espère. Ouais, ouais, toujours. Alors, Chapat, merci d'avoir déjà accepté notre invitation. On va parler avec toi de Muselier 1, Muselier 2, yes or no? Yes or no, la deuxième version et la version 3. Parce qu'il faut dire, en ce moment, tu es en train de rechercher gens pour la collaboration pour la version 3 de yes or no. Alors, Muselier, d'où vient le concept? D'où vient le concept Muselier? Ouais. En fait, Muselier vient de... Je vais appeler ça comment? Je vais appeler ça agacement, tu vois. Ouais. Agacement parce que... Il y a mon collègue, Andia, puis tout le temps avec son truc, me rappelle de ma génération, etc., etc. Et il a sorti l'être au Cameroun. J'ai écouté le truc et tout, mais après je me suis dit, le boy, il est... meilleur rappeur de sa génération, je suis le meilleur rappeur camerounais et tout et tout. Bon, après Muselier, c'était pas. Tu as vu Muselier, j'ai juste fait l'intro là par rapport à lui. Après, ouais. Je suis passé un tour, truc. C'était une façon de dire au gars que man, si quelqu'un se lève, c'est le hip-hop. Si quelqu'un se lève, il dit le meilleur, vous taisez, man. Ça veut dire que c'est lui le meilleur. Du coup, c'est pas comme ça le hip-hop, tu vois. Le hip-hop bouge, le hip-hop c'est du tic-tac. Le hip-hop, tu tires, c'est un peu comme ça. Du coup, moi, je me suis levé, j'ai décidé de mettre une muselière à NGR, c'est un peu ça. Et toi, tu pensais qu'NGR n'est pas le meilleur, comme il le disait? Non, je le pense, c'est ce que je le pense. Je ah, le ok. Pense, hein. Donc, tu penses qu'il n'est pas. Oui, je pense qu'il n'est pas le meilleur. Moi. Pour toi, qui est le meilleur rappeur de cette génération? Ben, honnêtement, pour moi, je suis quelqu'un d'honnête, tu vois. Ouais. Pour dire quelqu'un de meilleur et tout, il peut avoir. Moi, j'ai des préférences par rapport à la technique de tel. Ouais. Je peux préférer l'autre par rapport au flow, d'autres par rapport au punchline. D'autres par rapport à la carrure, à la gestuelle et tout, tu vois. Nous sommes flop gars, les gars sont mélangés, tu vois. Je peux te citer des noms par rapport à ci, à ça, à ci, mais dis que celui-ci est le meilleur, c'est genre, gars, il est le meilleur en tout. Ça veut dire sur les 100 rappeurs de ta génération, ouais. NGR, pour toi, occupe quel rang? NGR, sur les 100 rappeurs de ma génération, pas jusqu'à 100, même si on va dans le top 5, pour moi, NGR est dans le top 5, tu vois. Ok, mais ouais. Il n'est pas le meilleur. Non, il n'est pas dans le meilleur, il est dans le top 5 parce que c'est un bon rappeur, tu vois, on va pas, c'est pas parce qu'il y a clash et tout qu'on va chier sur le truc. Moi, ça m'a même agacé quand j'ai vu que moi, je me lève, je clash NGA, tu vois, un petit frère, tu sais même pas d'où il sort, il n'a rien fait, il se lève aussi. Il clash NGA. Mon frère, il faut pas suivre comme ça, maintenant ne suis pas comme ça. Tu vois pas qu'il va clasher, c'est sur quoi il compte. Toi, ok, après, je propose qu'on écoute musique. La plupart, ça le rappe, ils sont très bons. Du coup, je sais qu'ils ont du potentiel, mais il faut les titiller un peu, tu vois. Il faut aller chercher ça. Voilà, donc il a fallu que Chapat tire comme ça sur NG pour que les gars se réveillent, que gars, hey, mec, il faut que le game... Donc ton but derrière, c'était de faire vivre le game. Mon but a toujours été de faire bouger les choses, tu vois. Ouais. Moi, je me suis donné, je sais pas, c'est comme si, je le dis toujours, j'assume ma part de responsabilité dans le rap camel, tu vois, dans le mouvement rap camel. Surtout nouvelle génération, parce que... Côté talent, ça reste à discuter et tout, mais côté stats et réseaux et tout, il y en a qui sont quand même un peu plus suivis que les autres, tu vois. Et quand tu es conscient de ça, il faut en profiter pour aider tout le monde. Et gars, moi, j'ai ma part de responsabilité. Quand je me connecte, ça dort, moi, je peux me lever et dire, gars, on va du bluff là, vraiment, les gars, on va comme ça. Juste pour que tu vois. Et direct, voilà, oui, c'est dans le fond, c'est jamais trop, c'est jamais trop fort, méchant, c'est jamais trop fort. Voilà. Ça vous titille un peu là. Mais après, derrière, tu as un peu trop, d'après certaines personnes, titillé NGR, puisque tu es entré en studio et tu nous as fait la Muselière 2, où tu tires à balles réelles sur lui. Ouais, gars, en fait. Mais moi j'ai fait Muselier 1. Ouais. Oui, j'ai fait Muselier 1, Il savait que moi je connais mon type, tu vois. Ouais. Je connais mon élément. C'est pas un gars muet, tu vois. Du coup, moi, je savais qu'il allait répondre. Mais j'attendais la réponse, tu vois. Après il a répondu avec Dodutsu, je sais pas trop combien. Dodutsu, je crois que c'était 5. Non, ça. 4. Dodutsu, 5 c'est long. C'était le 3. Le 3, ok. Le 3, tu vois. Et j'étais là, j'écoutais. Moi j'ai kiffé quand j'ai écouté parce que je me suis dit. Ok, là maintenant ça va, le game va ressembler à quelque chose, tu vois. Ouais, le game va ressembler à quelque chose. Du coup, le lendemain, je crois que j'étais en studio pour Muselier 2, c'était fait. Sauf qu'après, bon, on va pas sortir le truc directement, il faut jouer sur les réseaux, il faut commencer avec les visuels, le programme des obsèques et tout ce qui suivait là. Donc, c'était un peu ça, je vais aller jouer avec tout ça. Et Muselier 2 a énormément fait parler. Moi, personnellement, c'est mon avis, la conception de Muselier 1, je peux faire, tu vois. C'est juste que. Avec ces histoires d'autres trucs de 6 minutes, machin, tu vois. Il faut aller d'abord parce que le public, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas. Il y en a, pour des gens,
Moi, je me dis en 1 minute 50, tu peux être plus efficace que quelqu'un sur 10 minutes. Tu 10 minutes, ok. Mais le public, c'est pas ça, gars. Dès que tu as rappé 1 minute, l'autre a rappé 5 minutes. Gars, il a rappé 5 minutes, tu peux rappeler 5 minutes. Tu vois un peu, non? Gars, moi, je suis un peu un têtu, gars. Donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais entrer en studio faire. Bon, le son, on a coupé parce que. En studio, on n'a pas bien vu le timing, tu vois. Je voulais partir sur 7 minutes net, mais quand je suis rentré, il m'a dit, gars, c'est 7 minutes déjà et tout. J'ai dit, ah, oui, il m'a dit, oui, j'ai dit, ok, on va laisser. Bon, tu étais prêt à aller plus loin? Ouais, bon, à la base, mon idée, c'est faire 10 minutes, mais je me suis aussi dit que, gars, après, il faut que les gars écoutent, tu vois. Wow. Donc, ouais. Mais c'est rien, le son de 10 minutes, tout ouais. Ça, c'est rien, gars. C'est pas rien dit. Et il faut dire que ce dernier temps, tu accuses NGR d'acheter les vues sur, les, sur YouTube. Tu te accuses seulement, toi tu ne vois pas. Non. Go look, non. Je demande, moi je sais pas. Man, quand tu dis que la guerre sera longue, vous comprenez. Ouais. Quand tu dis que la guerre sera longue, c'est ouais. Même pas par rapport à NGR en réalité. Ouais, donc tu NGR vois. N'est pas ta cible. NGR n'est pas ma cible. Il man, est léger. NGR c'est je peux dire, c'est comme un dodane, tu vois. Okay. C'est pas ma cible, man. C'est pas ma cible, tu vois. C'est pas ma cible. On fait notre traverse. C'est pas ma cible. C'est juste que. Quand je dis la guerre sera longue, c'est qu'on doit lutter contre beaucoup de trucs, tu vois. Quand je parle d'achat de vues, gars, moi, je vous, quand j'entre dans mon YouTube, tu vois, je tape peut-être yes or non. Ouais. Il y a le projet de NGR récemment sorti qu'on me propose, tu vois. Ouais. Donc, du coup, et comme j'avais sorti yes or non suite à la sortie de son truc ici, je lui ai dit que sur Facebook, genre, tu vois, sorti le truc, je sors une heure après. Moi, je suis avec toi, balle au pied. Il a sorti, et puis, bah, mais je vais aller plus loin et tout. Je crois qu'en fond, on était genre à peut-être à 8 jours. De la sortie déjà, un truc comme ça. Bref, ça faisait déjà. Il était toujours dans les 1500. Ouais. Après, pap, tu te connectais pas. Hey, mais. 6500. Hey. Pap. Mais c'est possible que. Quelqu'un n'est pas fait le poster. Dans un poster, je crois, ça grimpe comme non, ça. Non, laisse. Quand il n'est pas fait le poster sur Facebook, il dit qu'avant vendredi, tu seras à 10 000. Mm-hmm. Il a plus de 10 000. Il a 12 000. Mais c'est possible, non, non on a des artistes qui font 1 million en 24 heures. Qui ça? Certains artistes. Quand tu vois un Kossi, c'est toujours dit qu'il a fait le poste que quand j'aurai l'argent, fait un million de vues. Tu vois. Il y a des artistes d'un certain label à Yaoundé là que eux ils sont champions des millions de vues, mais on ne vient de nulle part. Tu vois un peu, non? Ouais. Voilà, c'est parce que je suis pas venu pour eux. Que ils font aussi de bons featuring. Mais ils sont forts, ils sont talentueux. Ouais. C'est juste que quand je dis que la guerre sera longue, c'est qu'il faut que les gars comprennent que ça ne sert à rien pour le moment. Quand je dis pour le moment, c'est pour me dire que on peut comprendre que tu as déjà percé. Oui, tu as une logique de que bon, tes sons d'habitude font 1 million de vues. Ouais. Et après, tu t'arrêtes à un 700 machin. Oui, là, tu peux faire, je connais même pas comment ça se passe pour atteindre 1 million toujours. Parce que bon, mais tu peux pas être à 1000 vues. Tu dis 10 000 vues, ça te sert à rien. Okay. Si sur le terrain, on ne connaît pas le son, tu vois, ça ne sert à rien. Ok, et tout récemment, il faut dire que tu as réuni une fois de plus tes frères sur une même prod. Yes or no 2. Yes or no, c'est censé être c'est une révolution, comme j'ai dit, c'est pas un sens une révolution. Mm. C'est tout le projet Yes or No. Ouais. Ça dit Yes or No, ce n'est pas que des freestyles, on regroupe des rappeurs, tu vois. Là, je te dis déjà. Yes or No, c'est où tu vas peut-être retrouver un exemple, là, peut-être un Stifler 90, ouais. Un Dachau et un autre X. C'est un son qui s'appelle Yes or No, mais en parenthèse. Okay. Peut-être en parenthèse radio. Tu vois, c'est radio qui est l'étude, mais c'est un Yes or No parce que ça regroupe les gars de la nouvelle génération et tout. C'est le concept. Yes or No, c'est le concept juste. Okay. C'est juste pour présenter vraiment tout le monde et pour dire que, gars, on est là, on est bon pour valider Yes or No, tu vois. C'est censé être un album en fait, mais il n'y a pas encore bien de moyens. Moi, on va gérer ça. Il y aura un album Yes or No. Et pour le moment, d'artistes. Le 2 est déjà disponible. Ouais, le 2 est disponible. Depuis environ 2 semaines. Ouais, environ 2 semaines. Ça, ça se porte bien. Yes or No 2 sur le buzz du clash avec. Non, c'est jamais ça. C'est jamais. Gars, c'est les moyens, tu vois. Ouais, ok. C'est les moyens, tu vois. C'est pas. Yes or No, c'est mon truc, et du coup, c'est pas évident, tu vois. Mm. Et ça dépend que le mois on va sortir la Yes or No tous les 1 mois. Tous les mois. Tu vois, non, mais c'est pas ça. Ok, et en ce moment, tu es en train de préparer la 3e version. Oui. Bien sûr. Et costaud. Le casting est costaud. On aura qui dans le Yes or No 3? Bon, moi, je vais vous donner des questions sur le mot. Ouais. Il y aura Stifler 90. Super. Il y aura King Arthur. King Arthur. Et ça sera vraiment les trois autres, je garde un peu ça parce que
Les trois autres, c'est inattendu, c'est vrai. King Arthur, c'est mon petit ami. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il y a un anniversaire, mon gros. Non, quand on parle de petit ami. Ouais, c'est pas un pot. Qui m'ont sorti la fesse. Oui. Il a dit que tous ses amis l'appellent petit ami parce qu'il est cool. Il est pas très grand de taille. Ne me regardez pas, Jean, je suis un cool. Comme tu as la veste là. Ne vous inquiétez pas, je peux encore vous enseigner, les filles. Patrick, moi je connais Chapat depuis. Musicalement parlant, je le connais depuis et je le connais beaucoup plus sur ce son. Chapat featuring La Différence. Non, quand tu disais depuis, vous voyez que tu allais me sortir un truc au 2018. Non, mais je l'ai plus chanté ça. La Différence. Mais c'est que c'est un vieux truc, voilà. Ça dépouille. Voilà. C'est sur ce son que moi je te connais parce que j'avais reçu ce son pour diffuser parce que je travaille de notre côté. De l'autre côté, ouais. J'avais diffusé. Ouais, j'ai diffusé ce son. Et il fut une fois, c'était même maçonnerie. J'ai beaucoup kiffé ce son là. J'ai beaucoup kiffé. C'est le travail qui paye pas la sorcellerie, ne baisse pas le pantalon, juste pour t'oublier et tout ça. J'ai beaucoup aimé. La Différence, Alain. Alors, Chapat, tu es un rappeur, tu es un freestyler. Et il faut dire, Olivier, que j'ai demandé à Chapat de me ramener les instruments. Le gars a dit ce que tu veux. C'est qui pense que j'ai le temps qu'il veut voir. Tu vois le docteur Dre là-bas, tu balances. Donc DJ Matador, lui, va nous choisir des instruments. Et on va s'amuser avec Chapat. Hey, c'est le tour pour les gens. Méchant. Méchant. Yo, yeah, yo, hey, l'esprit c'est de l'eau que je tongo. Si tu veux, tu me hases et te choco. Voleur de flow, voler encore. Bande de Ken de Mutongo. Need for speed, vous êtes tous mis KO. Je rappe, tu as chaud. Boum, faut aller, veux le tricot. Chapat, elle aime bien tester la drill, peu importe la pro. Je suis tellement habile. Toujours tu écoutes, toujours tu redoutes. Favori, même à 1 contre 1000. Vos rappeurs, c'est des demoiselles qui ne seront jamais à l'honneur. Moi, je mets le feu sur la scène pendant que je pose la peur. Chapat! La peau là, c'est là, On a pas de frontières. Tu doutes, je suis un gars de Sadie, ma coco pion la village. Vous mourrez sur Coco, Emilia et sur Nathalie. Mais si ce n'est qu'à mes yeux, après mon bébé, c'est le virage. Souvent, je la loue que j'ai dit yes, papa. J'ai demandé une femme, mais Dieu m'a donné sa fille. Beaucoup diront que je mens, mais je ne la trompe pas. Je suis différent des autres, moi, une grosse, ça me suffit. Elle me colle pas mon nom de famille et nom B. Petit côté sauvage, tu blagues et t'es dit lambé. Y'a pas de blême qui n'en rappelle, c'est le la. C'est la seule qui me doulape, c'est ma fille contre la la. Dans mon cœur, elle met le fire. Je la trouve mimi, elle a ce côté pala. Comme Bella Mané, il y a des jours qu'à midi, on gâte, on se sépare. À 13 ans, on se remet, à 14 ans, on se sépare. Notre couple est à part, c'est ma go et c'est ma pote. Je la yamo comme les filles vierges, je yamo les mobs. Elle aime. Et ça s'appelle Chapat. Merci d'être passé, Chacha. Merci d'être passé sur le tarmac. On se prend certainement le prochain projet que tu nous proposeras, c'est quoi le prochain projet? On est en mode exclu maintenant. Voilà, prochain projet, je réfléchis encore. Ok, on réfléchit encore, peut-être yes or no. Non, pas yes or no directement, il faut okay. Être au milieu, tu vois. Oui, ok, à l'intérieur s'il te plaît, voilà. J'ai dit pas yes or no, trois tout de suite, il faut un truc au milieu. Bah, je réfléchis entre un truc rap ou bien un truc un peu plus ouvert, quoi. Ok, ouais. Ok, merci d'être passé, Chapat. Merci aussi, merci pour l'invitation, c'est vraiment gentil, merci. Voilà, on se quitte.